Ça fait longtemps, mesdames, messieurs, qu'on entend parler de ce personnage que je vais vous présenter dans quelques minutes. Donc, un personnage fort connu de notre région. Il œuvre au niveau communautaire depuis fort longtemps. C'est très important pour lui d'œuvrer dans ce milieu-là. Et d'autant plus qu'il s'y implique depuis... Oh, au-delà de 20 ans, sinon un peu plus, je ne veux pas le vieillir, évidemment. Je veux parler inévitablement de Léo Lavergne, le directeur général du Centre Pauline Charron, que l'on reçoit avec plaisir, avec bonheur. Et pour vous, sans aucun doute, on reçoit donc Léo Lavergne à Encore Jeune. Léo Lavergne, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Léo, j'ai envie de remonter dans les premières années de Léo Lavergne, parce qu'on connaît pas ça. On connaît Léo Lavergne du Centre Pauline Charron, bien entendu, le directeur général extrêmement enthousiaste, presque une fourmi dans la boutique. Mais les premières années de Léo, on les connaît pas, et moi je veux les connaître. À quand ça remonte? Bien, ça remonte en 1947. Je suis venu au monde à East Dew. Mm-hmm. J'ai toujours demeuré dans la ville, la même ville. Elle a changé de nom, mais c'est la même ville. Et mon père, c'était Gordon Lavergne. C'était un maire de Vanier pendant un nombre d'années et aussi député provincial. Ma mère, Yvonne Lavergne, une goulette de Hull que mon père a été chercher. Elle a été, en plus de mère de famille, puis élever les enfants. Elle a eu un commerce en un temps avec une amie, une pâtisserie. Et de là, ben j'ai grandi. Fait qu'elle a été impliquée. Ma mère était impliquée dans les fans de la Fédération. Fait que moi, j'ai pris mon goût de mes parents. Le goût de m'impliquer, ça venu de mes parents. J'étais le dernier enfant, le dernier garçon de 4 garçons mm-hmm. dans la famille. Fait que je suis le bébé de la famille. Puis... T'as été à l'école où exactement, Léo? Moi, j'ai été à l'école Montfort pour le jardin d'enfance. Mm-hmm. À Duchamp, puis la plupart des années, parce que l'école Baribault, elle a ouvert durant ce temps-là, ils nous ont ramenés pour la 4e année et pour l'année de graduation de la 7e. Les autres années, c'était à l'école Duchamp. Quand Léo Lavergne a commencé l'école et qu'il vivait à Eastview, est-ce que l'ambiance était anglophone, francophone, bilingue, peu importe, on était des enfants, on jouait tous ensemble. C'était quoi exactement les débuts de Eastview à ce moment-là? L'école, on était en français. Fait que mm-hmm. l'école était en français. Moi, je viens, mon père, moi, il était... mon grand-père, sur le côté de mon père, était francophone. Puis ma grand-mère, elle, était irlandaise. Donc, à un certain moment, mon père, lui, ses frères et sœurs, il y avait une sœur, puis j'oublie, là, ses 4 ou 5 frères, mais plusieurs d'entre eux étaient bilingues. Certains étaient anglophones plus que francophones. Chez nous, c'était francophone plus qu'anglophone, mais c'était bilingue. On a appris les deux langues. Puis mes amis d'école, bien, c'était en français qu'on jouait. Puis, quand c'était avec d'autres, bien, mes autres amis autour, les McCann, les McConville, les autres, Lavergne, mes cousins, bien, il y en a qui étaient anglophones. Fait qu'on avait un peu de tout, puis on y pensait pas à la langue. On était francophones, puis on y allait à l'église francophone, puis on vivait francophone. Mon père, lui, anglophone. On y allait... Quand j'allais avec mon père, j'allais à l'école à l'église Assomption, puis avec ma mère, j'allais à l'église de la Dame du Saint-Esprit. C'est finalement, ce sont des belles années d'enfance qui ont été vécues. Ça a été très belle, des très belles années d'enfance. Et, tu sais, moi, je recule quand même au temps où on pouvait jouer au hockey sur la Ruane avec parce que ça devenait glissant un peu. Puis il n'y avait pas des voitures comme aujourd'hui, on s'entend bien. Fait qu'on pouvait jouer au hockey, puis de temps en temps, quelqu'un, une auto passait, puis on se tassait. Moi, j'ai connu mes jeunes années. J'ai quand même connu la livraison de la glace. Qui était découpé sur la rivière. Il était découpé, puis c'était Vachon qui avait la glace. Lui, il était au bout de la rue Anne, juste proche de Saint-Paul. Mm-hmm. Il avait son entreprise là.
On avait le laitier qui venait... avec les bouteilles de vin, de lait en verre. En verre. Ouais, c'est ça. Et dans les premières années, mais j'ai pas connu tant que ça, mais c'était avec le chevaux qui tirait. Mais après ça, ça a été en voiture. Puis le boulanger, il venait là, à la porte. Fait qu'on connaissait le boulanger, on connaissait le laitier. C'était toute une communauté. Tu parles de communauté, justement. As-tu l'impression, Léo, que c'était une communauté refermée un peu sur elle-même ou elle était déjà ouverte sur le reste de la ville, si on peut dire? Ouais. Pas nécessairement les autres communautés francophones, mais le reste de la ville immédiate autour. Je pense que, du moins, moi, j'ai pas connu de fermeture, là, d'esprit, là. J'ai toujours reconnu ça comme un esprit d'ouverture, mais il y a une communauté très forte, un sens de communauté. Puis il y avait plusieurs petites communautés dans Vanier, dans Isiou, dans le temps. Il y avait plusieurs petites communautés, mais c'était pas des guerres de clans. C'était juste qu'il y avait cet esprit de communauté qui a quand même devenu, après ça, Vanier, un sens de communauté qu'on connaît encore aujourd'hui dans la ville d'Ottawa. C'est peut-être l'endroit dans la ville d'Ottawa que le sens de communauté est plus fort que n'importe où. Mais on est très ouvert, on accepte, on n'est pas refermé, là, tu sais. Tout à fait. Cet aspect communautaire-là, tu le disais, ça tient un temps soit peu de tes parents, sans aucun doute. J'ai envie de te demander, comment est-ce que tu définirais justement d'être communautaire? Nous autres ici à TV Rogers, on est une télévision communautaire, il y a des radios communautaires, il y a des centres communautaires, Pauline Charron en est un. Ce serait quoi la définition qu'on pourrait donner de la communauté comme telle? Bien, la communauté, pour moi, c'est un regroupement. C'est des gens qui vont appuyer, qui vont s'appuyer un l'autre, appuyer la collectivité. Fait que s'il y a quelque chose qui se passe, les gens sont portés à vouloir participer. On aime voir le succès. On n'est pas jaloux. On n'est pas vraiment envieux des autres. Mais on essaie de regarder ce qu'ils font de bien. Puis si on est capable, on va le copier et essayer de l'améliorer. Mais juste comme dans un esprit communautaire. Plutôt. Est-ce que c'est la même chose avec les nouvelles générations? Parce que, bon, on sait que le puissant de Pauline Charron, c'est avant tout les aînés, jusqu'à un certain point, tout le moins. Le centre dans l'Ouest, c'est pas très loin d'ici, c'est un peu aussi cette orientation-là qu'on a voulu donner. Est-ce que, justement, les générations plus jeunes fréquentent ces centres-là aussi, cet aspect communautaire, se rallient à cet aspect communautaire-là? Je pense que il y a une génération qui a décroché un peu. Peut-être parce que les deux parents devaient travailler, les enfants étaient à la garderie, à l'école, puis ça, puis il y avait moins de temps de s'impliquer. Nous autres, on dirait que les parents, je veux dire, étaient partie de la communauté. Donc, ma mère, qui était dans les fans de la Fédération, bien, c'était normal que on y allait aux activités, par leur vente de pâtisserie, par leur ci, par leur ça. Puis mon père, qui était dans le Club Lyon, dans le Kiwanis, puis tout ça. Fait que s'il y avait des activités, il était impliqué. Fait que je pense, parce que si on regarde même les clubs Richelieu aujourd'hui, puis je veux pas généraliser, mais dans bien des cas, les Richelieu, les Joël Colomb, les optimistes, tout ça, peut-être les optimistes ont moins de problèmes à recruter des plus jeunes, parce qu'ils les embarquent, tu sais. Nous autres, on avait le scoutisme dans le temps qui tout était très fait. Fort. Moi, j'ai été impliqué 30 ans dans le scoutisme, tu sais. Cet aspect-là, justement, des diverses générations, j'ai comme senti, moi, depuis quelques années, justement, que particulièrement Léo Lavergne tente de briser les différentes générations, on tente de rallier les générations. Est-ce que je me trompe de ma perception? On le voit dans divers... On le voit, bien sûr, au Centre Pauline Charron, mais on le voit aussi dans d'autres activités. Et tu tentes de rallier les diverses générations. Est-ce que c'est par besoin, c'est pour assurer le suivi et la perpétuité des actions? Ou pourquoi exactement? Je pense qu'il y a bien des raisons. Hein? Une des raisons que tu veux réunir, tu veux garder les générations impliquées puis tout ça, c'est que tu vas assurer la perpétuité des organismes. Donc, en étant au courant, en participant, ça l'aide.
L'autre, c'est toujours en revenant à notre esprit communautaire. Le plus qu'on peut rallier les gens autour de causes communes, autant que les gens deviennent, pas nécessairement des amis, mais deviennent des collaborateurs, deviennent des personnes qui vont appuyer parce qu'ils ont connu, ils savent ce qu'on fait. Je veux dire, moi, c'est... Puis je prends pas crédit pour rien de ça, mais c'est une des raisons que j'aimais bien quand on l'a relancé la Saint-Jean un nombre d'années passées, qui a duré pendant un nombre d'années. Ça regroupait les différents organismes, puis après ça, ça regroupait les familles, ça regroupait les enfants, ça regroupait tout le monde. On le voit avec le Musée au Parc quand ils font le festival des sucres. Ils ont des activités pour la famille, puis tout ça, tu sais. Fait que moi, je pense que c'est nécessaire. On doit se regrouper selon nos intérêts, puis nos groupes d'âge, puis tout ça. Mais il faut pas oublier les autres générations, puis il faut être ouvert, puis il faut avoir des activités, là, tu sais, qui sont d'intérêt pour eux autres aussi. On va reparler des activités spécifiques du Centre Pauline Charron, bien sûr, dans le deuxième segment. Dernière question du premier segment. Au niveau de la santé, comment va Léo Lavergne maintenant? Léo, il va très bien. Puis je dirais même que moi, durant le... Je vais me vanter un peu à la télévision, pourquoi pas, vu que je suis là. Mais depuis la pandémie a commencé, j'ai décidé un peu après que c'est commencé que c'était maintenant ou jamais que je prenais ma santé en main. Donc, j'ai commencé à bien manger. J'ai commencé à faire de l'exercice à tous les jours, à marcher, à monter des marches, descendre des marches, me baigner. Puis j'ai perdu 39 livres à date. Fait que moi, c'est... Je suis très bien, je suis tout régénéré, puis je suis prêt pour un autre 75, 112 ans. Bon, bien, c'est parfait. On va commencer par un prochain quart d'heure dans quelques minutes, Léo, si tu permets. Fantastique, merci. Toujours avec Léo Lavergne, président, directeur général et homme à tout faire du Centre Pauline Charron. Est-ce que la définition est un peu pas correcte? Pas président. J'assume jamais ce rôle-là. J'assume plutôt le rôle de la direction générale. Tout à fait. Ça fait longtemps, Léo, que tu assumes la direction. On m'a embauché là il y a 26 ans de ça. Fait que ça fait un peu plus que 26 ans là, que je suis là. Fait que quand je venais juste de vendre mon commerce à Vanier. Et c'était un commerce de? C'était un dépanneur. Un dépanneur? Un dépanneur, parce que j'aime bien le public. Fait que j'avais bien du plaisir avec les clients, puis ça... J'ai toujours aimé aller travailler, moi, que ce soit là, au Centre Pauline Charron. J'aime le monde. Fait que pour moi, c'est pas difficile. Et le dépanneur, c'est un peu comme l'église du coin. C'est un lieu de rassemblement. C'est ça, c'est un lieu. Le monde venait prendre le café le matin. Puis on jasait de tout puis de rien, puis on réglait tous les problèmes du monde en date de 15-20 minutes. Évidemment. C'est comme on essaie de le faire nous autres, d'ailleurs. C'est ça. tout à fait. Léo, on va parler du Centre Pauline Charron, bien entendu. Ce centre-là, il a acquis avec les années, et probablement depuis que tu es là, mais peut-être un peu avant aussi, je pense que c'est important de le rappeler, il a acquis une notoriété à travers
toute la ville et à travers les milieux francophones de la ville. Pourquoi? Je pense qu'on doit peut-être crédit beaucoup à Pauline Charron. Mm-hmm. Pauline était une visionnaire. Pauline, elle pouvait voir plus loin, elle pouvait voir... Tu sais, quand on se rappelle l'histoire, Pauline a été demandée par la ville de Vanier dans le temps, avec un budget de 500 $ qu'ils ont donné. Peux-tu commencer des activités pour les aînés, là, les personnes de 60 ans et plus? Fait que Pauline a commencé ça, puis ça a eu lieu dans différentes salles de la ville pendant un bout de temps. Mais débrouillarde comme elle était, elle est venue au bout d'avoir des subventions. Puis avec le député du temps, Jean-Robert Gauthier, elle avait des subventions fédérales. Puis ils ont acheté la maison Pauline Charron, qui était à Saint-Louis-Savard. Mm-hmm. Puis avec les années, bien, ils ont acheté le terrain à côté, puis le terrain en arrière, qu'à un certain moment, on a vendu, quand moi, je suis arrivé, parce que Pauline est décédée très jeune, malheureusement. Là, mais moi, quand je suis arrivé... Il y avait tout ça d'accumulé. Tu sais, comme j'ai été chanceux, j'ai eu quelque chose qui était bien prêt. Puis, on visionnait, il avait même regardé à bâtir sur le site. C'est pour ça qu'il faisait un rassemblement de terrain. Mais ça leur a coûté énormément cher, puis tout ça. Fait qu'on a décidé d'acheter une bâtisse existante au bout de la rue, sur la rue Jeanne-Mas, et de la convertir en salle. Puis, de là, je veux dire, les bénévoles ont rentré en jeu. C'est grâce aux bénévoles qu'on a été chercher, puis là-dedans, des scouts aussi qui sont venus bénévolement nous aider, à tout faire la démolition intérieure. Donc, on a sauvé un gros 25 000. Tu sais, comme, fait que ça a toujours été des choses de même. Mmh. Pauline, quand je reviens à Pauline, elle avait, c'est elle qui avait parti les salons de commerce, comme ces genres de rendez-vous-là annuels pour les commerçants à l'aréna de Vanier dans le temps, aujourd'hui l'aréna Bernard-Grand-Maître. Puis, ça générait des sous. Puis ça aidait aux commerçants, puis tout ça. Fait que notre sens d'avoir tout le monde dans la communauté, tu sais, je veux dire, d'impliquer tout le monde. Fait que c'est de là que c'est parti. Moi, j'ai juste pris un flambeau qui était bien allumé, puis j'ai été capable de continuer la marche avec grâce à des présidences, des conseils d'administration et des centaines de bénévoles qui étaient dévoués. Il y en a qui vont dire, ben oui, mais Léo, t'as du charisme, on aime ça travailler avec toi. Puis ça, ça me fait chaud au cœur parce que j'ai toujours été le genre que je te demanderais pas de faire quelque chose que je ferais pas. Mm. Avec mes scouts, je leur ai jamais demandé de faire une tâche, de nettoyer les latrines si moi, je l'aurais pas faite moi-même. Fait que, tu sais, ça a toujours été ma philosophie. C'est une de mes philosophies qui me mène dans la vie. Ce centre Pauline Charron, bien sûr, fonctionne grâce à toi, mais aussi grâce à une équipe. Et moi, chaque fois que j'y mets les pieds, que ce soit pour la radio, la TV ou purement par plaisir, purement simplement, je suis toujours accueilli par le personnel. Est-ce que le personnel que tu choisis doit partager la même philosophie que toi, et de un, et de deux, comment est-ce que tu fais pour recruter des gens aussi fantastiques que ça? Je pense que je suis chanceux. Je pense que je suis chanceux parce que la plupart des gens qui ont travaillé au Sound, c'est des gens qui l'ont eu à cœur. C'est des gens qui comptaient pas les heures. C'est des gens qui avaient une tâche à faire puis la faisaient, puis avec du professionnalisme. Puis ils réalisent tout que ma philosophie est que les bénévoles, les membres, on leur doit un respect énorme, énorme, puis on doit être là à leur service. Fait que oui, la philosophie que moi j'ai, je m'attends qu'elle est partagée, mais en travaillant avec eux autres côte à côte, je crois que c'est quelque chose qui vient naturellement avec eux autres. Bien, les bénévoles, c'est pareil. Les bénévoles s'engagent puis travaillent. Ça n'a pas arrêté durant la pandémie. On a eu des gens... fantastiques, des bénévoles fantastiques tout le long de la pandémie qui ont aidé à garder le centre Pauline Charron. Puis c'est une des raisons même qu'aujourd'hui, je me tape dans le dos puis je dis à les employés, vos bénévoles, tapez-vous dans le dos. Parce que nous sommes des leaders là, dans ce domaine-là.
On donne l'exemple, on regarde la distanciation, on respecte les règlements, mais on n'a pas peur de grouiller quand c'est le temps de grouiller puis de réouvrir autant qu'on peut, comme on peut. L'espace au centre Pauline Charron, est-ce que, justement, on est obligé de faire une espèce de rotation dans les activités pour justement, concourir avec les règlements? Ou est-ce que, justement, l'aménagement et l'espace est suffisamment grand pour pouvoir quand même maintenir les activités à peu près ordinaires? Bien, pour le moment, on n'a pas d'activité à l'intérieur. Mm-hmm. Parce que ça vient juste de... ça va changer dans quelques jours. Mm-hmm. Mais ce qu'on a dans le moment, on a commencé, aussitôt qu'on a pu, on a commencé des activités à l'extérieur. Donc, on a le golf qui fonctionne depuis peut-être 6 semaines déjà. L'activité de la marche du lundi, de venir marcher. Moi, j'ai commencé un club de marche. On va marcher tous les lundis. Après ça, on a commencé le vélo en collaboration avec le Centre des services communautaires. On a la pétanque. Fait que chaque journée, on essaie d'avoir des activités. Puis là, on est rendu qu'on a 4 jours par semaine. Puis on a des fois 2 activités dans la même journée. Puis c'est de là qu'on démarre, on parle. Bientôt, avec la phase 3 qui arrive, on va être justement après regarder. Là, on va prendre 2 semaines de congé, puis prendre une petite vacance sur le balcon, comme on dit. On n'a pas grand place à aller à ce temps-ci. Mais juste pour se ressourcer. Ressourcer. Mm-hmm. Et après ça, bien là, on est après à commencer à voir comment est-ce qu'on peut commencer. Quelle activité pouvons-nous commencer? Les activités de cartes comme le bridge, puis tout ça, le canasta, tout ça, ça va être les dernières activités qu'on va voir commencer parce que les gens sont à 15 pouces un de l'autre puis ils jouent avec les mêmes cartes. Mais on essaie d'être... Là, on a commencé les sacs de sable. Mm-hmm. Mais on s'est gratté la tête. Comment est-ce qu'on peut le faire en toute sécurité? Bien, encore là, une bonne bénévole, Marie, elle a accepté de refaire toutes les poches de sable avec de la cuillerette. Ah, ben oui. Mm-hmm. Donc, en chaque jeu, en chaque fois que quelqu'un s'en sert, on désinfecte les sacs de sable. Les boules de pétanque, on fait pareil. Mm-hmm. Fait que les bénévoles sont là pour ça. Est-ce que ça a fait peur un tout petit peu, justement, à la à la communauté un peu plus âgée, la communauté des aînés, justement, cette fameuse pandémie-là? Parce qu'on pourrait très bien... je sais que les personnes âgées sont un peu plus prudentes que les plus jeunes qui vont un peu plus vite. Mais est-ce que, justement, il y a eu une certaine crainte qui s'est installée ou... purement et simplement, non, les gens s'attendaient à ce que le Centre Pauline Charron soit accessible selon les nouvelles normes. Je pense que les gens avaient une crainte de la pandémie, de la maladie, le COVID. On voit qu'ils prennent très au sérieux. Il y en a toujours qui prennent ça plus facilement, puis ça. Puis, possiblement qu'on va avoir de la misère des fois à aller chercher à nouveau certains de nos membres plus âgés qui ont encore une crainte là, pour le moment. Mm-hmm, mm-hmm. Mais je peux dire que ça fait chaud au cœur quand les gens arrivent au centre avec leur masque puis nous disent à Céline ou à moi ou à quelqu'un « Merci, merci d'avoir fait ça pour nous autres. » Puis ils ont quasiment l'âme à l'œil. Là. Tu sais, quand on leur dit là, « On recommence les sacs de sable, on recommence ça, là. » Tu vois là que les gens... On recevait des appels, là, moi, au centre, des fois. Les gens s'ennuyaient. Fait qu'il y avait une crainte, mais ils prenaient au sérieux. Puis ils savaient qu'ils ne devaient pas sortir. Puis aujourd'hui, bien, il faut faire sûr qu'ils respectent la distanciation encore parce que la nature humaine veut que, hey, on se donne un bon petit coup, tout une main, fait. Puis ça. Mais on ne peut pas. C'est bien la nature aussi des aînés, justement, hein, d'être, de vouloir se rencontrer. C'est un besoin qu'on a. Et le Centre Pauline Charron, ça a été probablement un des moteurs de ces rencontres-là. Hein. Bien, c'est ça. Puis durant la pandémie, on a quand même eu une programmation variée sur le Zoom, tu sais, via Zoom ou les médias. On a des bénévoles qui ont planifié des danses de ligne. Le monde pouvait les faire à leur guise. Des gens qui ont fait des clips de relaxation. Mm-hmm. Ils ont été les filmer dans Mer Bleue pour être faits. J'ai des bénévoles, des employés fantastiques qui ont fait de l'ouvrage
pour que le monde ait accès. On a des rencontres, on a des exercices tous les vendredis. Fait que les gens étaient capables de connecter puis de se voir quand même. On sait qu'au Centre Pauline Charron, il y a la fameuse troupe de théâtre. Ça oui. aussi, ça offre... on en a couvert un bon nombre par TV Rogers. Oui. Et c'est une activité extrêmement courue que le théâtre. Comment est-ce que ça se développe de ce point de vue-là? Bien, vois-tu, justement, la troupe de théâtre ont fait à un certain moment... Ils ont eu une couple de pratiques Zoom, mais là, ils vont prendre à la fin du mois d'août. Parce qu'ils étaient déjà dans la pratique à ce moment-là pour la pièce salle d'attente. Puis elle va toujours jouer à l'automne. Mm-hmm. Quand au juste, on ne sait pas encore. Puis est-ce que ça va être avec 50 personnes ou ça va avoir changé? Ça va-tu être avec repas comme on fait d'habitude, sans repas ou quoi? Mais elle va être jouée. Puis la troupe est prête. Là. Ils ont hâte de rembarquer ses planches. On est même après faire peau neuve. On a reçu des dons, puis on est tout après changer les rideaux. Fait que quand les gens vont revenir, ils vont avoir une nouvelle scène plus accueillante. Fait que, non, la troupe de théâtre, elle demeure active. Puis, ça. Puis elle veut même aller faire des petites présentations à des places. C'est très bien, ça, effectivement, tout à fait. Couvrir un peu la région également. Et la question que tous nos téléspectateurs se posent, et tu t'en doutes un tout petit peu, le fameux déjeuner des flocons, est-ce qu'on en aura un cette année? Il y en a un de prévu, est-ce que... Disons là, que j'ai pas le... Je suis pas dans les secrets des dieux à ce moment-ci. Mm-hmm. Je le sais qu'au Centre des services communautaires, ils ont déjà commencé pour parler, pour voir ce qu'ils feraient. Je ne sais pas quel format, mais je suis convaincu qu'il va y avoir quelque chose. Ça va-tu être un repas pour apporter? Vraiment, je n'ai aucune idée encore. Mais il est sûr que le Centre Pauline Charron est prêt, puis prêt à coopérer, puis aider à faire un succès de cette activité-là encore. J'en doute pas du tout, Léo, et même si c'est d'une façon virtuelle, ça s'est jamais fait encore, hein, déjeuner, des flocons virtuels? Non, mais tout est sur la table, là, j'imagine. J'étais en discussion avec Michel Gervais du Centre des services l'autre jour, puis il me disait justement là, qu'eux autres étaient prêts à regarder différents scénarios. Fait qu'aussitôt qu'ils ont quelque chose en vue... ils vont communiquer, puis on va voir comment est-ce qu'on peut faire ça là, pour cette année. Tout à fait, j'imagine un peu. Léo Lavergne, parler du Centre Pauline Charron, c'est une chose. Parler de Léo Lavergne lui-même, c'en est une autre. Et ça a été un plaisir de te recevoir, j'allais dire encore une fois, mais d'une autre façon, encore jeune. Merci, Léo. Merci beaucoup, Jean-Paul. Ça a été un plaisir pour moi. Merci.